Salut tout le monde, c'est Eldezo et on se retrouve je crois bien pour le dernier let's play car on se retrouve à l'acte 5 et en regardant dans les paramètres de jeu je crois bien qu'il n'y a qu'une seule mission pour l'acte 5 et c'est la mission bien sûr qui va déboîter. Donc j'ai voulu vous la faire avec la votre dernière voiture que l'on peut débloquer sur le compte Uplay, mais le problème c'est que les serveurs Uplay sont momentanément fermés. C'est génial, enfin je peux pas me connecter quoi, en gros j'ai pas pu prendre la voiture, donc c'est foutu pour ce let's play. C'était la voiture, je crois que c'était la Papa Vero furtive, enfin voilà quoi, c'est dommage. Bon, allez je me tais, va y avoir un petit appel. Pierce, dis-moi que t'as tout ce qu'il faut parce que là je suis crevé. C'est Clara, elle est... Oublie-la, pour l'instant t'as assez d'emmerdes comme ça. Elle est morte. Oh non. Oh non, putain. Je rentre au bunker. Il faut qu'on en finisse. Bon. De toute façon, il a dit je rentre au bunker. Oh, et la tondeuse à gazon, tu vas pas faire chier. J'espère que ça va emmener ma voiture avec. Raté. L'une des plus célèbres personnalités de Chicago, Bernard Lovitz. On lui a attribué les liens avec le Chicago South Club pendant des décennies, mais aucune preuve n'a jamais été retenue. Monsieur Quinn aurait succombé à une crise cardiaque en 2014. J'espère que ça te dérange pas. Prends une partie de ton stock. Comme ça, on est quitte. Pas de problème, prends ce que tu veux. À mon avis, je vais bientôt avoir des fixeurs au cul. Je savais même pas que Rose était morte. Pourquoi elle a pas essayé de disparaître? Rien ne prouve que Bloom est responsable de sa mort. Putain, Aiden. Tout pointe vers eux. Il y a plein de trucs incohérents. Marchés publics illégaux, des fraudes électorales. Tout ce qu'il leur fallait, c'était une bonne équipe de com. Après la mort de Rose, ils ont créé ça. Et je sais pas pourquoi ni comment, mais ce code, il est dangereux. Il y a une histoire de... J'ai pas tout compris, mais en gros, il parlait de Belle quelque chose. Belle Weather. Alors c'est ça qu'il voulait. Il faut détruire ce code, mon pote. Pour le reste... Laisse choisir. Tu sais, Aiden, je suis désolé pour Clara. Moi aussi. Cette histoire, elle est merdique, d'un côté comme de l'autre. Fais attention. Quand la lumière s'éteint, c'est là que les ennuis commencent. Et plusieurs dirigeants de la société Bloom ont à répondre d'une série de vidéos à caractère sexuel récemment diffusées sur Internet. Le visage d'un agent de police ne soit pas clairement identifiable dans la vidéo. La police, son numéro de badge est... Génial, ils ont donné tous les dossiers à la téloche.
Une vidéo troublante implique Donovan Rushmore dans le meurtre d'une certaine Rose Washington. La victime était une employée du réseau CityOS portée disparue depuis plus d'un an. Le maire se refuse à tout commentaire. Un communiqué de la mairie affirme qu'il s'agit d'images trafiquées, probablement par le groupe DedSec, afin de discréditer le maire. La grosse blague. J'arrive pas à passer le firewall. T-Bone pourra peut-être m'aider.
Il nous a bloqués. Il faut qu'on le déconnecte. Et vite. Oh, putain. J'ai bien une idée, mais... la dernière fois que j'ai fait ça, des gens sont morts. Si on fait rien, des gens vont mourir là aussi. Alors ? Alors ? Alors le site OS est relié à un satellite qui agit comme une valve de sécurité. Seulement moi, j'ai un petit virus maison, un putain d'exterminateur. Il faut juste que t'ailles l'installer depuis trois points différents. Et ça fera quoi? Ça fera que l'autre enfoiré pourra plus rien faire, ça je te le garantis. Ça va être le bordel. T'imagines pas à quel point, amigo. Appelle-moi quand le virus est en place, il faut qu'on fasse ça bien. Là. Putain, il y a plein de points partout, quoi. Allez, un kilomètre chacun. Tu pensais vraiment pouvoir m'arrêter si facilement? Tu me déçois. Je te croyais intelligent, mais on dirait que tu vaux pas mieux que les autres. Oh, le silence pour seule réponse. Tu veux jouer avec Nidney? Et qui sait ce que je pourrais faire dans cet état? Allez! Désolé, mais tu me saoules. Là. Elton, impressionne-moi! Qu'est-ce que tu vas faire? Prends-moi au dépourvu, allez! Tu peux faire mieux que ça! Damien a trafiqué le système de navigation. Il essaie de me ralentir. Allez, on se concentre sur un endroit à la fois. Oh non, je vais avoir tous les flics. Oh. Centrale, on a le résultat du scan. Le suspect a été localisé. Oh non. On conserve ce type. Je lui rentre dedans. Attention. Une voiture de patrouille de choc a été envoyée en direction du suspect. Oui, il va finir par arrêter les flics. Voilà. Centrale, il nous faut un accès prioritaire au site OS rapidement. Putain, je peux pas le choper. Que des conneries le GPS. Attention, voiture de patrouille de choc est en route vers sa position. On fait un passage. Je vais échapper aux flics. La
Là-bas, il y a un piraté. Je vais aller vers lui. Shazam à centrale, on rentre. Je crois qu'en fait, tous les noms chelous, là, c'est pas les bons. Et les pirates, là, ça va être les bons. Si ça continue, je vais exploser. C'est rigolo, ça. J'ai réservé un vol pour aller pourrir l'ordre. Tu m'accompagnes ? Putain, mais j'y vois rien. Faut que j'arrive à monter sur le pont. Bien reçu. Une voiture de patrouille de choc est en route vers la position du suspect. Oh non, j'ai encore le flic. J'avais pas fait gaffe. Non, rangez-vous. Comment on fait pour monter là-haut? Arrêtez immédiatement votre véhicule. Ah. Je vais rentrer dedans. Elle va exploser ma bagnole, c'est obligé. Je vous ordonne de vous arrêter. Merde, je me doutais. Et après ta gueule. Aïe. Là-bas. Allez, c'est parti. Là-bas. Moi, je conduis n'importe comment. Stop, immédiatement. Aïe, aïe, aïe. Attention, voiture de patrouille de choc est en route vers sa position. Je connais la direction. C'est parti, allez, hop. Là au moins. Stop, rangez-vous. Allez, bouge. Avec l'écran qui bug comme ça, c'est impossible. Stop, je vous dis d'arrêter tout de suite. Heureusement que j'ai pas la manette qui bug avec, parce que là... Oh là là, l'enfoiré. On va lui rentrer dedans. Centrale, il faut un accès au site OS. C'est chiant. Partez où? Je crois qu'il faut rentrer par là. Ouf! C'est que des bagnoles là. Merde, je suis sûr que c'est à l'intérieur. Pas moyen de faire le tour? Rentrez dedans. J'ai trop vite, tu vois. Oh là là, oh là là. Ah, je me rappelle d'ici en plus. Une voiture de patrouille de choc est à la poursuite du suspect. Voilà ce que j'aime dans les virus. Des fois, ils font du grand n'importe quoi. Voilà, demandons accès au CTOS. Oula. Non, c'est pas moi qui ai ouvert là. Rien par ici. Et vous, le suspect est forcément dans le coin. On va le trouver. Ça, c'est fait. J'aimerais bien perdre les flics au moins. Oh, putain. Oh, je vois ce que tu veux faire. Tu charges ton petit virus, il cherche et il trouve. Et toi, tu viens tabasser l'infirme. C'est bon. Ah, il m'a chopé, ouais. Je suis sûr que ta copine Hackeuse aurait pu inventer ça. Mais elle est morte. Tu vas sortir par là? Bah, vas-y, Hayton. Vas-y. Montre-moi de quoi t'es capable et moi je ferai pareil. Ah non, oh non, oh non, 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 je vais pas mourir maintenant. Mais non, 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 ça c'était pas cool. Aïe aïe aïe, ça c'était pas cool du tout. J'espère que je vais pas spawn au tout début de la mission parce que sinon ça va être chiant. Alors. On retourne vers là-bas. T'as bien trafiqué le système de navigation. Il essaie de me ralentir. Un endroit à la fois. Centrale à toutes les unités, le cap CTOS a repéré et marqué le système. Je l'envoie dans le décor. Attention, aïe. Une voiture de patrouille de choc se dirige vers la position du suspect. Ah, cassez-vous les gueufs. Quoi que ça fout là. J'essaie de percuter. Je suis vraiment mal là. Ah, pourquoi tu sors par la porte là? On va se faire choper à cause de ça.
Non, 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 qu'est-ce que tu me fais? Mais voilà. La meilleure attaque, c'est une défense centrale. Centrale, le suspect a échappé à l'hélico. Informez les unités au sol. Centrale, ici 961 Charlie. Appelez toutes les patrouilles, on a besoin de renfort maintenant. Ah, j'ai ma réputation qui baisse quand je suis malin, je crois. Il anticipe le problème. Ouais. Et il essaie de le résoudre. Comment faut pas que je les tue. Restez en ligne, on vous a un message. Il doit pas être bien loin. Ah, là, faut que je sais. Allez, comment je peux faire pour... Hop. On a un problème avec l'appareil. Les gars, ah, allez. Essayez de toucher, restez en ligne. Oh là là. Ok, on lui tire dessus. Ah non mais t'es sérieux? J'ai l'impression de jouer aux autres tamponneuses. Rentrez lui dedans. Ah, il y a les coups qui arrivent. Je vais lui rentrer dedans. Ah, il y a un barrage en face. Droite ou gauche, les deux. Non, oh, genre qu'on m'a retrouvé. Eh, rallume ta voiture. Rallume. Comment on fait pour la rallumer? Allez, yolo swag. C'est juste la quatrième fois que je recommence en cinquième, voire sixième, voire septième, voire je sais même plus combien tellement je me suis fait poutrer par ces putains de flics de merde. Oh toi, 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 non. Là. Il nous faut un accès prioritaire au site OS. Faut juste que j'échappe à l'hélico. Allez, 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 allez. Rangez-vous. Ici. Ah, bouge. Bien reçu. Une voiture de patrouille de choc est en route vers la position du suspect. Là, t'es pas censé me voir. Ça va, restez en ligne, ils sont bonnes. Le suspect nous a échappé, on refait un passage. Voilà, 43%. Je fasse bien gaffe là. Ah oui, oh oui, la ligne. Là. Enfin. C'est bon, les virus sont en place. Ok, retourne à l'endroit du point faible, là où on a commencé. La bécane va s'ouvrir comme une jolie petite... Enfin, tu vois quoi, en gros... On a un accès direct au satellite, et ça, c'est carrément important. Ok, je vois. Un accès au satellite. C'est ça la soupape de sécurité? Tu rigoles, c'est mieux que ça. Une fois à l'intérieur, t'as fait lire le bouton des poufs, coupure générale. Et si on a du bol, et que je suis aussi brillant qu'on le dit, on saura où se cache Damien. Je demande pas mieux. Ok. Hop. Oh, il est pas loin en plus, c'est nickel.
Attendez. Nous sommes DedSec. Nous vous observons. Nous savons ce que vous faites. Vous voulez couper toute connexion au CityOS. Je crois que ça va vous plaire. Donnez-nous 30 secondes. Pourquoi ? En 30 secondes, nous pouvons installer notre code dans le CityOS. Une fois que le système aura redémarré, DedSec le contrôlera de l'intérieur. Nous réparerons ce que Bloom a détruit. 30 secondes, c'est tout ce qu'il nous faut. 30 secondes, ni vu ni connu, ce sera notre petit secret. Nous serons les chiens de garde. Non, j'en ai marre de tout ce bordel. Nous ne l'oublierons pas. Hop. Ainsi. Là. Ah, ça y est, la manette commence à m'emmerder. Là. Peut-être que je le fasse venir par là d'abord. Là. Nickel. Ah, cette fois-ci, il n'y a rien à regarder. La liaison satellite est établie, le virus va pouvoir redémarrer l'ensemble du système. C'est fini, Damien. Je vais te retrouver. Oui, donc désolé s'il y a eu un petit coupage, en fait mon disque dur était complètement plein, du coup ça s'est arrêté tout simplement d'enregistrer et ça me fait bien chier. Donc allez, on continue. Un petit appel. Pourquoi tu t'obstines comme ça? Queen est mort. T'as récupéré ta sœur et Clara? Eh ben Clara, elle t'a trahi. Elle a causé la mort de ta petite Lena et toute seule en plus. Et toi alors? On pourrait penser que c'est toi le responsable de sa mort. Je me demande qui pourrait penser ça. Et pourquoi s'arrêter là? T'es pas innocent non plus. Si je me rappelle bien, c'était ton idée, le coup du Merlot. Je m'en veux tous les jours d'avoir eu l'idée de ce coup, de t'avoir rencontré, de pas t'avoir arrêté quand j'aurais dû. Mais je ferai pas l'erreur deux fois. Maintenant, s'il y a un problème, j'interviens. Ah ouais, le justicier. J'ai vu tes exploits. Le seul problème que je vois là, c'est toi. Et je vais régler ça. Alors, c'est où? Ah ouais, ok. Je crois que c'est le petit phare qu'on a fait pas mal de fois en naviguant sur l'eau. Donc, donc. Voilà, il faut penser là. Oh merde, les civils. Bouge-toi. C'est pas une route ça. Bon, un petit bateau. Et c'est bon. Là, un beau bateau rouge. Allez, c'est parti. On va aller chercher l'autre port. L'électricité n'a pas été coupée là-bas. Damien doit y être. Je vais te faire les fesses, prépare-toi. Ça fait du bien de me finir le jeu. On va voir à quoi elle ressemble enfin, cette petite fin. Plutôt grosse. Hop. Oh, descends. Ok, il peut pas sauter, c'est pas grave. Tu te rappelles quand toi et moi on a décidé de travailler ensemble? Les trucs qu'on imaginait. On avait de grands projets.
mais jamais de cette taille-là. Regarde dehors. On a mis à nos pieds une putain de ville. Apparemment, il est fier de lui. Putain, il monte haut celui-là. Y'a rien à récupérer avant. Apparemment, rien du tout. Donc, allez, c'est parti. Attends, c'est la fin du jeu. S'il n'y a pas des fichiers audio ou des trucs dans le genre, c'est que c'est bizarre quand même. Bon, apparemment, il n'y a rien. Moi, je l'ai pas allumé. Si, j'ai allumé. Et là, je passe mes dernières heures sur la promenade de la veuve. C'est comme ça qu'ils appellent le poste d'observation. Sur les phares. Tu le savais? Moi, pas. Cette circonstance. Ça sent vraiment le sapin, toute cette histoire. Ça sent bon, le sapin. Je peux rien récupérer quoi. Où es-tu, trou du cul? Ah, là-haut. Allez, c'est parti. Allez, quelle surprise! T'as prévu un speech, Damien? T'as quelque chose à dire? Ils savent qui je suis, maintenant! C'est tout. T'as rien d'autre à dire. Hé hey, ferme ta gueule! Regarde-toi un peu! Tu te sers des gens pour attaquer un parrain de la mafia! Tu te crois tout permis parce que t'as causé, quoi? Noble? Tu m'as manipulé. Voilà la vérité. Ah ouais, vraiment? Clara, c'est ta faute autant que la mienne. Pareil pour ta nièce. Voilà pourquoi ta famille est partie, non? Ils te connaissent bien. T'as un certain talent, Aiden. Mais il t'arrive aussi de perdre. Blablabla, la vache, que vous êtes bavard. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Désolé, l'ami. Nouveau contrat. Jette ton flingue. Quoi? Jette ton flingue! Vous verriez vos têtes. Vous en faites vraiment une affaire personnelle, c'est ça votre problème. C'est pour ça que tout a foiré. Et je vous conseille de retenir la leçon. Hop, 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 le téléphone aussi. Donne-moi ça. Allez, au revoir. Je sais pas ce que Damien cherchait à accomplir sur la fin. À mourir, peut-être. Je voulais venger la mort d'une fillette. Et au final, tout ce que j'ai trouvé, ce sont des mensonges, des rois corrompus, une ville brisée. Quant à moi, j'ai changé. Je ne vis plus dans le passé. Je n'ai plus de regrets. Je regarde vers l'avant. Tout est connecté. Et je compte bien m'en servir. Pour dénoncer. Pour protéger. Et s'il le faut. Pour punir. Fini. Enfin. Et donc voilà, moi je vais vous laisser sur ça. J'espère que ce petit let's play vous aura plu. Attendez un peu. La police ne révèle aucune information. Les documents révèlent des liens étroits et des cas de corruption entre le maire et le dirigeant du Chicago South Club, Lucky Quinn. Le maire a-t-il mis fin à ses jours après ces révélations ou a-t-il été exécuté? Ok.
Charlotte Gardner, directrice des... Bref, en gros, il a tout remis en ordre dans la ville. C'est bien un vrai héros. Nous savions depuis le début. Donc j'espère que ce petit let's play vous aura plu, que mes petits coups de rage vous auront pas trop fait chier par rapport à ma manette, parce que j'avoue que c'est vrai, elle a beaucoup bugué et ça m'a beaucoup fait chier. Mais bon, je pouvais pas faire autrement. Et dans certains cas, donc moi je vais vous laisser sur ça. Je pense pas laisser tous les crédits jusqu'à la fin parce que en général ils durent pendant une heure. Et donc voilà, moi je vous laisse. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Et ciao tout le monde. Jouer un rôle dans la communauté, vivre dans des maisons et quartiers plus sûrs. L'Home Industries est à votre écoute et vous comprend. Nous ouvrons les portes d'une nouvelle ère en faisant du monde notre communauté. Avec le CityOS 2.0, on s'intéresse à vous. C'est vous qui êtes au centre du monde. CityOS 2.0, pour des villes intelligentes, plus intelligentes. Tout de suite, l'interview d'une femme qui prétend connaître le fameux justicier Aiden Pierce. Nous accueillons aujourd'hui parmi nous la pédopsychiatre Yolanda Mendez. Docteur Mendez, votre histoire est extraordinaire. Vous connaissez bien Aiden Pierce, le fameux justicier de cette ville. Pouvez-vous nous en dire plus ? Je connais Monsieur Pierce par sa famille, par sa sœur. C'est ce qui est surprenant pour nous. Les informations le concernant sont très rares. Donc, si j'ai bien compris, vous traitiez le traumatisme de son neveu ? Oui, le fils de sa sœur. Je suis tenu au secret médical. Je ne peux donner aucun. Non. Et c'est tout à fait normal. Mais vous avez rencontré Aiden Pierce. Qui est-il ? Impossible de savoir précisément qui il est. Il fait tout pour masquer sa personnalité, et il le fait très bien. C'est vrai ? Oui, mais pas à la manière d'un joueur de poker. Il est extrêmement intelligent, et il cherche à avoir l'avantage en toutes circonstances. Et vous écrivez un livre ? C'est exact. Je retranscris toute cette expérience. Une étude sur Monsieur Pierce. Quelque chose me pousse à explorer l'inconscient de cet homme. J'attends votre ouvrage avec impatience. Docteur Mendez, merci. Des secs en massé. Nos mises en garde sont tombées dans les oreilles de sourds. Notre réputation a été entachée par des avortons comme default. Ceci est notre dernier avertissement. Il faudra rendre compte. Nous surveillons ceux qui nous surveillent. Nous sommes inarrêtables. Nous sommes invincibles. Nous sommes en guerre. Même si une déclaration du commissaire divisionnaire reconnaît la baisse récente de l'activité criminelle, le justicier que l'on surnomme le renard a été à peine mentionné pour sa lutte acharnée contre le crime. Une source anonyme a indiqué à nos reporters que de nombreux policiers seraient à titre privé en faveur du fameux justicier, même s'ils n'ont pas le droit de l'affirmer en public. Alors que Chicago est toujours sous le choc après le meurtre de Rose Washington et la mort du maire, l'élection ne passionne guère les foules. Et le nom qui revient le plus souvent pour le poste de maire par intérim n'est autre que Charlotte Gardner, vice-présidente en charge des communications chez Bloom. Ses défenseurs assurent qu'elle saura rendre à notre ville l'intérêt. Les autorités tentent de recoller les morceaux après le terrible chaos causé par un dysfonctionnement du CityOS. La ville a connu d'importantes coupures, des ponts en panne et des dégâts s'élevant à plusieurs milliers de dollars. Le CityOS est de nouveau en ligne, mais beaucoup se demandent s'il est doté d'un système de sécurité suffisamment puissant. Je pisse le sang, et toi ? Ça va, je tiens le coup. J'ai un dernier os à ronger pour toi. J'ai parlé avec Maurice, il a quand même fini par cracher le morceau. Je te donne le lieu et tu te démerdes pour le reste. Les affaires sont des affaires. Ouais, t'as tout compris. Y'a que ça qui compte. Il est comme ça, Jordi. Un fixeur. Qui aime les choses bien propres. Maurice représente un risque pour lui. Mais au final, c'est mon problème. C'est lui qui a tiré sur ma voiture. Qui a tué ma nièce. J'aimerais dire qu'on est différents, mais... j'ai plus de repères. Combien de personnes j'ai blessées ou tuées ? Qui mérite de mourir ? Qui a le droit de tuer ?
que tu viendrais. Les gars comme nous, ça s'arrête jamais. C'est fini. C'est toi le dernier. C'est leur tour d'avoir peur. Putain de merde. C'est quoi ton problème, mec? Hein? T'es foutu? T'as compris? On est tous foutus! Allez, bute-moi, merde!